Les filles, vous pouvez faire des gâteaux. Alors, il est l'heure pour le challenge. Pour le challenge? Alors, il faut se dépêcher. Tout d'abord, je vais faire quelque chose de classique. Ce sont des biscuits, de la crème, du chocolat. Ouais, en fait, tout le monde adore ça. Alors, parfait. Maintenant, j'étale. Comme c'est cool! Vous savez quoi? Oh, j'ai envie de quelque chose d'inhabituel. Voilà. Regardez cette petite montagne. Voilà de la crème noire. Oh, regardez. Ce sont des miettes de biscuits. Ensuite, je vais ajouter du vert. Et du crème bleue. Oh, regardez, ça va être comme de l'herbe et comme de la rivière. Oh, et beaucoup de crème orange. Et ça ressemble à quoi, les amis? Oui, vous comprenez pas encore? Je vais ajouter un peu d'arbres, des pierres et un dinosaure. Regardez. Oh, quel volcan! Pas mal, pas mal. Mais j'ai une meilleure idée. Oh, je vais faire mon gâteau en plusieurs étages. Alors, je vais utiliser une fourchette pour ça. Ils vont soulever tout le gâteau. Alors, regardez cette machine à bonbons. Cool! Ensuite, je vais avoir besoin de ce truc. Et je vais le passer de travers. Voilà, comme ça. Oh, wow! Non, mais il faut que j'ai quelque chose. Et pourquoi pas faire des nuages? Ça va être simple. J'aurai besoin des marshmallows, je vais les cacher par là. Comme ça, oui. Ouais, ça va être super. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, après que le nuage va être fait, j'aurai besoin des sirops. Ouais. C'est pas là. Je vais les insérer dans le gâteau lui-même. Regardez. Alors, j'ai appuyé. Voilà le sirop. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Les filles, vous avez très bien fait. Je n'ai jamais vu des gâteaux comme ça. Alors, recommençons par ce truc géant. Tout d'abord, voilà, j'aime bien le chewing-gum. Oh, wow! Ça marche! Comme c'est cool! Non, mais en fait, c'est une super idée! Oh, j'ai hâte de savourer tout cela! Oh, super! Voilà! Oh, il est super! Miam, miam! C'est super bon. Voilà. Oh, ce qui m'attend des mains. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je pense qu'il faut que j'appuie. Oh, wow! C'est pas le gâteau. Non, mais en fait, c'est le jeu. Oh, je sais ce que je peux faire. Oh, et comme c'est cool. Oh, wow! Oh, quelle pluie! C'est génial, ça! Oh, j'adore ce dinosaure! Et comme il est bon, le gâteau! Alors, l'idée de ce gâteau, j'ai bien aimé! Emma, félicitations! Oui, j'ai gagné, merci beaucoup! Alors, la partie pour le deuxième tour! Alors, je vais prendre tout cela... Oh, regardez, le chocolat jaune. Oh, regardez comme c'est brillant. Je vais en faire beaucoup pour remplir tout cela. Et au-dessus, je vais mettre des sprinkles. C'est parfait. Et par le dessus, je vais mettre ce cupcake. Oh, wow! Vous aimez bien mon idée? Oh, j'ai fait le gâteau comme ça. Oh, je n'ai jamais eu ça auparavant. Alors, qu'est-ce que Roxy va aimer le plus? Oh, wow!
Comme c'est cool! Oh, sauf que je comprends pas comment il... Non, mais c'est vraiment très inhabituel. Bon, d'accord, je vais prendre ça. Oh, c'est la première fois que je vais goûter ce gâteau. Moi, oh, c'est très bon, ça. Oui, c'est mieux que les cubes normaux. Félicitations avec la victoire. Oh, j'ai gagné. Oh, oui, c'est une à $1 000 000. Eh bien, bien, troisième tour. Alors, c'est la partie pour un tour. On commence par les classiques. Seulement, cette fois-ci, je vais utiliser de la crème de couleurs différentes. Ça va être plus cool. Super. Maintenant, je vais tout étaler. C'est super. Ensuite, je vais prendre des sprinkles. Il n'y en a jamais trop. Et pour que ça soit étalé uniformément, voilà. Voilà. Et maintenant, je peux le mettre sur le carton et je vais le décorer. Pour cela, je vais prendre de la crème. Et bien sûr, des sirops. Oh, je pense que ça ressemble à du caramel. Oh, vous savez ce que je fais? Bien sûr! Le gâteau sucette. Voilà, je vais juste en serrer une paille, c'est fait. C'est déjà fait? Non, mais il faut se dépêcher. Bon, j'ai déjà fait la base. Maintenant, je vais mettre du chocolat rose. Comme ça. Et ensuite, voilà, hein, des sprinkles. Il n'y en a jamais trop. Je suis d'accord avec Candy avec ça. Voilà, je vais ajouter des bonbons. C'est fait? Les filles, vous avez très bien fait! Oh non, mais en fait... Non, mais c'est simple. Mais le goût, en fait, il est pas mal du tout. En fait, il faut que je le goûte mieux. Mmh, c'est bon, j'aime beaucoup. Alors, passons à cette sucette. Oh, je pense que ça va être super, super bon. Ah, c'est vrai, c'est le cas. Je me demande si je casse ce gâteau comme une vraie sucette. Waouh! Non, mais... Oh, en fait, il est solide. Alors, cette sucette a gagné, bien sûr. J'aime beaucoup. Bien sûr, c'était évident. Alors, cette fois-ci, j'utilise une nouvelle technique pour appliquer la crème sur les gâteaux. Je ne contente pas de l'étaler, mais je laisse des fleurons comme celle-ci. Parfait. Répétez ça plusieurs fois pour que mon gâteau soit vraiment super beau. Quand la crème sera terminée, j'aurai besoin de ce cylindre. Avec son aide, je peux découper le gâteau. Voilà. Et ça va être mon truc spécial. Voilà, je vais mettre du chocolat. Et ensuite, voilà, j'ai bientôt étalé. Et bien sûr que je vais ajouter du colorant. Ouais, ça va être super bon. Alors, voilà, c'est bon. Maintenant, de la mastique noire. C'est vraiment super bon. Avec cette mastique, je peux faire les autres éléments. Tout d'abord, je vais faire une pâte comme ça. Au-dessus, je vais mettre de l'or. En fait, c'est comestible. Voilà, c'est un dragon. Oui, ça va être une très jolie décoration pour mon gâteau, hein? N'est-ce pas? Oh, waouh!
C'est dire, oh non, n'importe quoi. Non, mais moi, je peux faire beaucoup mieux. Et ça va être comestible en plus. Non, mais en fait, ça va être comme de l'art moderne. Oh, comme ça, amusant. De l'art contemporain. J'aime beaucoup. En fait, j'ai oublié de dire. C'est comme les néons, quoi. Ouais. Regardez. Oh, du talent. Bon appétit, Roxy. Oh, wow. Quel gâteau. Lui, comme ci, comme ça. Oh, wow. Non, mais ce dragon. C'est incroyable. Est-ce qu'il est comestible? C'est vrai, il est comestible. Et maintenant, je vais goûter le gâteau lui-même. C'est bon, mais je m'attendais mieux. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Est-ce que le gâteau brille? Non, mais c'est con. Oh, ce sont des néons, quoi. Waouh! Emma, dans ce tour, t'as gâché. C'est vraiment ouf. Ouais, ça brillait dans le noir et mon idée était super cool. Ouais, j'adore ces Barbie. J'ai toujours rêvé de les utiliser pour décorer le gâteau. Oh, j'ai tout un seau de glace. Alors mon gâteau va être rose et super sucré. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ce fromage? Oh non! Moi, j'ai des bonbons acidulés. Vas-y, commence. Avec plaisir. Mais avant de décorer mon gâteau, il faut que je le goûte. Oh oui, c'est super bon. Oh oui. Je sais ce que je vais faire. Alors, c'est une poche de douille. Ça va avoir une vraie princesse. Regardez ce que c'est. Vous aimez bien? Oh waouh. Ouais, c'est super bien. Bravo, bravo. Merci, mais il faut que je goûte le morceau. C'est bien ça. Oh, est-ce que je peux continuer? D'accord. Ouais, je n'aime pas vraiment le fromage, surtout sans le burger. Mais avec ce fromage, je peux faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vais faire une jupe pour ma Barbie. Voilà. Je pense que c'est très bon, ça. C'est génial, vraiment. Oui, je suis ravie. Oui, bravo, Maëlle. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais aimer ce gâteau ou pas, mais je pense que oui. Ouais. Alors, goûtons. Je pense que c'est pas si mal. Je pense qu'elle aime beaucoup. Oui, tu vas te lécher les doigts. Wendy, tu continues. Non, mais en fait, ces bonbons sont super acidulés. Je vais goûter de les goûter. Non, mon Dieu. Ouais, vous savez quoi? J'ai une idée vraiment brillante. Si je fais fondre tous ces bonbons, alors je pourrais arroser le gâteau et ça va être très joli en plus. Sauf que pour le coup, j'en suis pas sûre. Quoique, ça a l'air pas si cool, hein. Alors, les filles. Oh, ça va être spectaculaire. Alors, on y va. Je vais mettre les bonbons fondus dans le moule spécial. Et ensuite, je la soulève. Waouh, c'est magnifique, ça. J'adore. C'est un néon et c'est tout brillant. Oui, à cette soirée, elle va être la meilleure. Vas-y, goûte. Non, c'est joli, mais je pense pas que c'est bon. Peut-être que ça va être si acidulé. Ouais. Je pense que mes yeux vont s'éclater. Ouh, je m'évanouis. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je me demande qu'est-ce qu'on va voir cette fois-ci. Waouh, j'ai Baba. Comme c'est cool. Et moi, j'ai Nutella. Waouh. Et moi, j'ai des Doritos épicés. Oh, je peux commencer? D'accord, merci. J'adore cette Nutella. Waouh, comme c'est bon ça. Non, j'ai pas envie de mettre toute cette Nutella sur le gâteau. Moi, je vais avoir tellement de moules. Tout d'abord, je vais le mettre par là sur la table. Et ensuite, je vais mettre du Nutella dans toutes les couleurs. Le jaune, le rose, le violet. Oh oui, c'est cool ça. Et maintenant, le bleu. C'est fait. Maintenant, je vais attendre un peu. Maintenant, voyons voir. C'est cool. Les filles, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, arrêtez. Regardez. Cool. Maintenant, voyons voir. Je vais décorer le gâteau avec ces trucs. Et au-dessus, je vais mettre de l'arc-en-ciel. Maintenant, je vais répéter le gâteau de chef d'œuvre du chef. Voilà, maintenant une licorne et les détails super mignonnes. Super! Et maintenant, je vais bien goûter ce gâteau. C'est super ça. Alors, maintenant, je peux. Super, vas-y. Maintenant, super. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas goûté le baba. Oh, comme c'est doux. C'est comme de la pâte à modeler. Oh, c'est une idée, ça. Maintenant, je prends un rouleau de pâtisserie. Et maintenant, j'étale. Oh, c'est pas si simple. Super. C'est super, ça. Maintenant, je vais prendre ce chewing-gum sur le gâteau. Je vais avoir cette forme. C'est beau, ça. Alors, vous savez ce que je vais en faire? Je suis sûre que non. Je vais ajouter des yeux, un nœud. Je vais avoir un petit fantôme. Quelqu'un a peur des fantômes? Bouh! Comme c'est cool, ça! Bravo, Wendy. Maintenant, goûte. Oui! Oh, le gâteau va avoir un super bon goût. Oh, super! C'est la première fois que je vais goûter le gâteau avec le chewing-gum. Le goût est super. Et maintenant, je peux faire une bulle. Wow, il est énorme, lui! Wow. Vous pensez à la même chose que moi? Je pense qu'il faut que je lui éclate. Boum! Oups, ma tête! Tu ressembles à un fantôme. Vas-y, décore ton gâteau. Moi, je me suis tellement laissée emporter. J'ai oublié mes chips. Oh non, ma langue! Oh wow! Vous savez quoi? Ouais, des chips au milieu. Ouais, et je sais ce qu'il faut faire. Regardez. Je pense que c'est pas si mal que ça. Oui, ça ressemble à un hérisson. Mais il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais prendre le pot. Et je vais couler les Doritos entre eux. Wow. Vous allez voir. C'est vraiment une idée super géniale. Oui. Et maintenant, cette construction, je vais mettre au-dessus. Et voilà le paquet de Cheetos juste par là. C'est con dans l'air. Alors, vous aimez bien les filles? Cool. Et tiens, c'est le couteau. Tu peux goûter. Oh non, pas ça. J'ai pas envie de goûter ça. Je pense pas que c'est vraiment mangeable. Mais il faut que je goûte. Oh, peut-être que...
En fait, c'est pas si mal que ça. J'aime beaucoup même. Et le gâteau est vraiment bon. Sauf que ça commence à avoir très chaud. Oh, oh. Oh non, il va y avoir quelque chose. Je pense que c'est mieux. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les filles, c'est devenu des charbons. Ouais. Waouh, quel énorme gâteau. Cool. Voilà les friandises. J'ai de la confiture des fraises. Alors le gâteau va être très bon. Et moi, j'ai des œufs en chocolat. Cool. Oh, quelqu'un des friandises et moi j'ai un octopus. Quelle fièvre. T'inquiète pas, je vais commencer en première. Tu vas tout oublier quand tu verras ces œufs en chocolat. Je les adore. Oui. Oh, c'est tellement grand. Regardez. Voilà le dernier œuf et je vais le manger. Oh, waouh! À l'intérieur. Oh, ce sont des baguettes colorées. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a de la décoration sucrée partout. Oui, j'avais raison. C'est super bon. Et c'est joli. C'est la pluie colorée. Il en reste tout un tas des œufs en chocolat. Et je vais décorer mon gâteau avec. Regardez, ça a l'air bon ça. Vous aimez bien les filles? Cool. T'as besoin du couteau? Non merci Wendy, j'ai pas besoin du couteau. Je vais manger comme ça, avec les mains. Parce que c'est beaucoup plus rapide. Bon d'accord, comme tu veux. Je suis la prochaine. Oh, j'ai hâte de goûter ma confiture de fraises. Oh, oui, décorer mon gâteau. J'adore. Alors, voilà, j'adore. Je vais en mettre sur le gâteau. Oh, comme c'est bon, ça. Et pourquoi mettre une par une si je peux verser tout le pot de confiture? Alors, oh, je suis un génie. Oh non, pas ça. J'ai tout caché. Quoi que vous savez quoi? Ça veut dire que j'ai pas besoin de le décorer. Et je peux déjà le manger. Oula. Oh wow, c'est fantastique, vraiment les filles. Et oui, cool. Mais bon, maintenant c'est mon tour. J'ai pas envie de le manger. J'ai même pas envie de le toucher. Bon, il faut faire quelque chose. Moi, je sais. Voilà. Je vais utiliser cette tentacule. Oui, comme ça. Ça a l'air effrayant, mais pourquoi pas. Au moins, ça va être très joli. Et ça va faire super peur. Maintenant, je prends le brûleur à gaz. Et voilà. Comme ça, ça va être très joli. Waouh! Mon gâteau est très beau. Oh, ouais, je sais. En plus, j'ai une idée. Je vais mettre quelques bateaux. Bon, c'est joli. Oh, je suis super contente. Les filles, regardez. Oui, super. Cool. Et tu veux bien le goûter? Ouais, c'est vrai. Oh oui, j'ai déjà essayé. Alors, j'aimerais bien goûter le gâteau avec une pieuvre. Alors, et son goût? Eh bien... vous savez quoi? En fait, c'est pas si mal que ça. J'aime bien. Ah oui. Les filles, vous voulez bien? Non, merci. Oui, c'est super ça. Voilà, je sais ce que je vais en faire. Alors, j'aimerais un gâteau biscuit Oreo pour commencer. Quentin, tu peux le faire? Facile. Mamie, tu peux me faire un gâteau au miel pour moi, s'il te plaît? Bien sûr. Chef, vous pouvez bien me faire un gâteau avec des M&M's? C'est même trop facile. J'ai très faim. Alors, essayez de faire mieux.
J'ai une idée pour un délicieux gâteau biscuit Oreo. D'abord, j'ai besoin du chocolat. Le bleu fera très bien l'affaire. Tout d'abord, je vais le casser à longues tranches. Puis, je vais le coller à la base du gâteau. Ensuite, les biscuits eux-mêmes vont entrer en jeu. Tout d'abord, je vais séparer les biscuits de la crème. À partir de la crème Oreo, je vais faire ma propre crème pour la verser sur le gâteau. Pour cela, il faut mélanger le mélange existant avec du lait et ensuite donner un bon coup de fouet. C'est fait. Je peux maintenant verser la crème sur le gâteau. Regardez comme c'est beau et appétissant. Et maintenant, je peux ajouter les Oreos. Ça sera cool si je colle des biscuits dans tous les espaces vides. Et je mangerai le reste. Non, mais à quoi bon? Eh bien, moi, je vais avoir besoin de miel pour mon gâteau. Pour cela, je vais avoir besoin de lait des abeilles. Heureusement que j'ai un chapeau spécial à portée de main pour que ces insectes ne me piquent pas du tout. Comme ça. Ouah, comme c'est appétissant, ça. J'adore ce miel. Et les abeilles, j'en ai pas besoin. Envolez-vous, hein? Oh, mamie, vous feriez mieux de faire attention. Elle pourrait toutes nous mordre. Alors, mon gâteau est presque prêt. Il ne reste plus qu'à ajouter des bonbons eux-mêmes. Pour cela, je vais les faire fondre avec un chalumeau, puis verser le chocolat liquide obtenu sur le gâteau. Sur le dessus, je le décorerai avec une statue de M&M's rouge. Et bien sûr, je peux ajouter quelques dragées elles-mêmes. C'est vrai. Mais allez, il est temps de choisir le gagnant. Waouh! Bien joué! J'adore ces gâteaux! Tout d'abord, je vais commencer ce gâteau de ma mamie. Yummy! Il y a au miel et j'adore le miel. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Une abeille? Elle m'a piqué sur la langue! Ça fait vraiment mal! Non, je ne mangerai pas ce gâteau! Je préfère manger le gâteau aux Oreos. Oh, waouh! C'est bon, ça! Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Alors, il ne reste plus qu'à essayer le gâteau aux M&M's. C'est bon, ça! C'est super bon! J'aimerais bien manger les bonbons rouges. Ça a l'air super appétissant. Aïe! Ça fait super mal. Il faut prévenir que ce n'est pas comestible. C'est Quentin qui gagne. Ouais! Ouais! Cette fois-ci, je veux un gâteau en arc-en-ciel. Vous pouvez le faire? Il va falloir travailler un peu. J'ai une idée. L'arc-en-ciel symbole de l'été, alors le gâteau devrait avoir la forme de l'arc-en-ciel. Je vais couper en deux et mettre de la crème dessus pour le rendre plus savoureux et plus brillant. Oh oui, j'aime beaucoup. C'est mieux que je l'ai pensé. Délicieux. Et moi, je vais faire différemment. Je vais laisser le gâteau être décoré avec des fruits colorés. C'est tellement plus savoureux et plus sain. Et moi, je vais me transformer en artiste et je vais décorer le gâteau avec des Skittles. Oui, et comme je suis un artiste moderne, je répare le gâteau en utilisant une méthode abstraite. Et on y va! Oui, ça c'est une autre chose. C'est super amusant. J'aime beaucoup. Ouh, mamie, je voulais pas. Je suis désolée, je me suis laissée emporter. Alors on peut goûter. Bon, j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer cet art moderne pour commencer. Ouais, j'aimerais bien ces gâteaux. Ouais. Maintenant, je vais goûter ce truc aux fruits. Oh, c'est très bien, ça! Et enfin, il nous reste de l'arc-en-ciel. Waouh! Je ne peux pas m'arrêter!
Je pense que le gagnant est évident. C'est monsieur le chef. Ouais. J'ai fait beaucoup d'efforts. J'aime bien les yeux à la marmelade. Faites-moi un gâteau avec. C'est terrible. Pourquoi pas? Je pense que c'est très amusant. Alors, on se dit en gelée et maintenant je peux jouer. Ouais, bon, d'accord. Moi, j'ai une idée. Tout d'abord, je vais faire un petit trou dans le gâteau. Ensuite, je dois dissoudre un peu de gélatine dans un verre et ajouter du colorant alimentaire. La bouillie obtenue doit être versée dans le trou du gâteau. Il ne reste plus qu'à mettre une baie sur le dessus. Je pense que ça ressemble beaucoup à l'œil. Chef, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'ai décidé de faire non seulement un gâteau en forme de l'œil, mais un véritable personnage d'œil. Pour cela, je dois d'abord lui donner de la texture et de la couleur en utilisant de la crème orange. Ce n'est qu'ensuite je passerai aux yeux. Ouais, regardez comme c'est cool. Ouais, c'est super ça. Ouais, il est content. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vais tomber le gâteau? Et qu'est-ce que je dois faire alors? Tout est prêt pour tout le monde. C'est vrai. Ouais, j'ai beaucoup de yeux en marmelade. Ouais, je pense que je vais faire le gâteau avec. Ouais. Je pense que c'est très pratique. Et au-dessus, je vais tout décorer avec de la crème fouettée. Comme c'est cool! Mais allez, il est temps de décider qui a gagné. What? Tout est si beau! Kanta! Ouais, t'as bien fait! Faire un gâteau directement avec des yeux en gelée. Goûtons! J'adore! Maintenant, goûtons ce monstre du chef. Oh, waouh! J'aime beaucoup! Mais pourquoi des brochettes? C'est pas comestible. Et maintenant, je vais bien goûter le gâteau de mamie. Oh, comme c'est bon, ça! C'est super bon! C'est comme un œil! Oui, mamie, t'as gagné! Ça me fait beaucoup plaisir.